assis. Allez, descends, allez. Choses à Amazon parce que je trouve que c'est pratique. Donc là j'ai vu, je me demandais ce que c'était et je suis super contente. C'est un super, j'ai l'impression que c'est Noël. Puis tu sais, j'ouvre le paquet en fait. Ouais, c'est un adaptateur pour le câble électrique extérieur, mais j'ai pas reçu le câble encore. Le reste du câble est 25 mètres de câble, j'ai pas encore reçu. Bon, d'accord, super cadeau de Noël merveilleux. Deuxième paquet. Alors, l'ouverture. Là, je vous préviens, vous passez un tout petit diplôme pour apprendre à ouvrir les paquets. Oh, si, mais ouais. Bon. Ah, ça. Un cahier. Ah, ouais. Ça, je me suis offert ce cahier parce que je dessine, je peins beaucoup. Et j'avais envie d'un joli cahier où j'avais envie de dessiner, la de peindre. Folle de cahier, notre Ambre est une folle de cahier. Voilà. Et oui, elle adore les cahiers. Si vous voulez lui faire plaisir, lui faire un cadeau, voilà, parce que lui a un joli cahier, elle sera super contente. C'est du 150 grammes, comme ça je pourrais faire de l'aquarelle sans problème. Ça doit faire 150 grammes, ça veut dire quoi? C'est l'épaisseur du papier. Donc, qui peut tenir la route face à de l'aquarelle qui a beaucoup d'eau. D'accord. Voilà. Donc ça ne gondole pas. Ce sont des feuilles un peu épaisses, voilà. Ah oui. Okay. Juste assez épaisses, elles sont très belles, j'adore. J'adore. Ça, c'est Noël. Noël. Et puis, j'ai reçu aussi, je suis allée aujourd'hui le chercher parce que Chronopost ne m'avait pas trouvé. Donc, j'ai reçu ça que je vais laisser vraiment rouler. Oui. Suite à ton expérience. Oui, oui, oui. Oui. C'est un matelas, moi j'ai pris un matelas de 120, toi tu as un matelas de 110. Oui. Et je vous ferai voir quand je jouerai Coquelicot pourquoi je le déplie pas tout de suite. Je peux vous dire parce que moi j'ai fait pareil, j'ai changé le matelas dans Foxy. J'ai pris 110 parce que j'ai un lit à la française, c'est-à-dire à l'arrière gauche mais dans l'angle. Et la taille au niveau de pied de mon cadre de latte est 110. Donc, j'ai pris un matelas 110. Et je fais l'erreur, hein, quand j'ai reçu le matelas, de le déballer et mettre à plat dans le lit de pavillon, c'est-à-dire le lit qui est au-dessus des sièges conducteurs passagers. Ben, bien, j'étais super contente. Le matelas gonflé, nickel, impeccable. De ça, et devenir ça, comme ça, super chouette, impeccable, c'était content, j'ai laissé 3 ou 4 jours. Sauf que le problème, quand je voulais changer, c'est-à-dire sortir l'ancien matelas qui était sur le lit et remettre le nouveau, eh bien purée, j'ai eu toutes les peines du monde de sortir du matelas, de le traîner à travers Foxy et la poser sur mon lit. Alors, faites surtout jamais ça, déplier le matelas sur le lit, dans l'endroit où il doit poser, rester à la fin, sinon vous n'arrivez pas. Voilà. Donc, sa galère, donc ta galère, Christa, me permet de ne pas avoir cette galère. Moi, j'ai pris 120 parce que au pied, mon lit fait 120. D'accord. Voilà, parce que sinon, j'aurais pu prendre 140, mais ça ne m'intéressait pas. Voilà. Non. Alors, pourquoi aussi on vous présente tous ces produits, les produits Amazon, etc., parce que ça fait partie d'une activité dans laquelle on va se plonger. J'ai beaucoup surfé sur YouTube, j'ai vu qu'il y a plein de YouTubeurs, dès qu'ils ont des milliers d'abonnés, etc., ils se mettent à affiliation Amazon,
Je ne savais pas ce que c'était, donc je me suis plongée dedans, je fais mes enquêtes, comme ça, ça vous permet de découvrir, parce que toi, tu n'avais pas fait l'enquête. De profiter voilà. De nos expériences. Voilà, et toi, je t'en ai parlé, je t'ai dit, bon, écoute, on va tester. Oui. Donc, affiliation Amazon, alors c'est un petit peu compliqué, peut-être qu'on vous fera voir comment s'y mettre, parce que bon, c'est vrai que c'est compliqué, mais le but final est, par exemple... nous, en tout cas Christine et moi, on a pris la décision de ne vous mettre que des produits qu'on aura achetés, testés et qui nous plairont. Oui. Voilà. Oui. S'ils ne nous plaisent pas, on ne les mettra pas. Hein. On vous le dira dans une vidéo éventuellement que c'est de la merde et surtout ne l'achetez pas. Voilà. Mais si c'est bien, on le mettra sur le compte d'affiliation Amazon. Par contre, lorsque vous achetez, alors comme je sais qu'il y a des personnes qui demandent des choses précises, par exemple, parce que ça je ne me souviens pas le prix, donc je ne vais pas vous dire comme exemple, mais lui je m'en souviens du prix. Ça c'était 7 euros. Si jamais vous allez en affiliation acheter ce carnet de dessin sur Amazon, vous le paierez 7 euros. Par contre, Amazon va reverser à Chrissa et à moi une petite commission. Alors, combien le pourcentage de commission? J'avoue, je n'ai toujours pas trouvé le pourcentage de commission. Mais comme Chrissa et moi, on a décidé d'être clair, net avec vous, parce qu'on vous parle beaucoup des prix, de l'argent, etc. C'est important de savoir combien les choses coûtent. Ben oui, voilà. Et il faut connaître son budget aussi. Hein. Voilà. Donc, on est rigoureuse là-dessus, on fait les choses clairement. Donc, vous ne payez rien en plus. Ça, je le dis haut et fort, et ça c'est vrai, c'est un bon système, c'est pour ça qu'il y a autant d'affiliés, c'est que vous, clients, vous ne payez pas plus, vous payez 7 euros si vous achetez ce carnet, point. Et nous, on recevra une petite commission. De la part d'Amazon. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça n'est pas en place, nous, on ne l'a pas mis en place, et comme beaucoup de choses qu'on lance, on vous fait voir dès le début. Donc, voilà. Madame Chrissa est Madame sur le compte Chrissa. Amazon en train de créer le compte. De créer notre compte commun. Alors, toi, tu as déjà un compte personnel chez Amazon depuis longtemps, moi aussi, parce qu'on a toutes les deux des occupations, travail pour gagner l'argent, on ne peut pas beaucoup bouger, donc la commande par Internet, ça reste pour nous une solution idéale. Et surtout Amazon, on trouve vraiment tout sur Amazon. Donc, on a déjà chacune son compte privé, personnel chez Amazon. Mais là, on a décidé de créer un compte commun et de s'affilier à Amazon avec ce compte commun. Alors, finalement, quand le compte sera créé, vous allez voir une liste avec tous les articles qu'on a testé, qu'on a acheté, qu'on vous propose. Et du moment où vous cliquez sur le lien de l'article, par exemple, tiens, on reprend le carnet, puisqu'on est là, il aura un lien vers ce carnet au-dessous d'une de nos vidéos, au-dessous de nos vidéos dans les commentaires. Vous aurez, ou dans les explications, là. Pardon, vous aurez, c'est mon chien qui essaye de monter sur le fauteuil. Sur le tabouret, il ne peut pas. Donc, vous aurez un lien vers cet article dans une liste. Et si vous cliquez sur ce lien, vous payez exactement le même prix, c'est-à-dire 7 euros. Il n'y aura pas un sou de plus à vous. Sauf que, à travers ce lien... Là, je l'ai dit, hein, donc je pense que là, ça y est, ils le savent. Oui, non, mais c'est juste pour expliquer comment faire. Oui. Alors, pour le moment, Ambrey, c'est beaucoup occupé de la théorie. Oui. Comme tu m'as dit, tranquille au pilote, t'es assis à la maison devant l'ordinateur. Et moi, j'étais sur la route. Maintenant que Chrissa voyageait, moi, j'étais tranquille à la maison. Donc, j'ai pu passer des heures à rentrer là-dedans, etc. Une précision. Comme Chrissa et moi, on crée un compte commun, vous ne pourrez pas voir, par exemple, que ce carnet, je l'ai acheté. Et ça, c'est sur mon compte privé. Donc, ne soyez pas surpris, parce qu'il y a la possibilité de voir si on a acheté ou pas l'article. Là, vous verrez qu'on ne l'a pas acheté.
puisque c'est sur mon compte perso. Ouais. Et le compte commun, ben oui, il n'y aura rien d'acheté, ouais. Parce qu'on ne va pas acheter en commun. Alors bien sûr, si vous êtes en couple, vous avez sûrement déjà un compte commun, mais nous, comme on n'est pas un couple, mais qu'on veut faire une activité et partager ensuite les quelques centimes ou euros qu'on va gagner, voilà, c'était plus pratique. Après, libre à chacun de faire comme il a envie. Mais ne soyez pas surpris si vous voyez que je n'ai pas acheté que sur le compte Crissa et Ambre, il n'y a pas... Voilà. Ben, je crois qu'on a fait le tour. On vous tiendra au courant de ce que ça vaut ou pas. On vous dira ce qu'on gagne. Par exemple, sur ce carnet, toujours le même, à 7 euros, combien de centimes Amazon nous reverse, hein, on vous le jouera cash, comme d'habitude. Ça ne va pas être beaucoup, mais bon, voilà. ça va mais s'accumuler. Est-ce que ça vaut le coup? Je n'en sais rien, parce qu'encore une fois, les youtubeurs qui ont des milliers d'abonnés, ils en parlent tout le temps, ils le font tous, mais ils ne disent pas combien ils gagnent. Non. Personne ne dit combien ils gagnent grâce à Amazon. Hein. Voilà, donc on verra bien. Ils disent, oui, on gagnait bien notre vie. Avec YouTube, avec Amazon, mais ils ne disent pas combien c'est bien gagner sa vie. Voilà, ça personne ne le dit. J'ai vu que vous commencez, vous êtes très très intéressé par les activités qui font rapporter un peu d'argent quand on est en camping-car. Oui. Et je me suis dit que régulièrement dans les vidéos, on vous tiendra informé, parce que c'est vrai que là vous commencez à poser des questions précises, du comment, combien, etc. On vous inquiétez pas, on va vous répondre au fur et à mesure des épisodes. Mm-hmm. C'est plus sympa de répondre en vidéo que de répondre par écrit à chaque fois, etc. On vous tient au courant au fur et à mesure des hauts et des bas. Vous voyez, même les galères de matelas, on vous en parle pour ne surtout pas le faire. Merci Crissa de l'avoir faite, celle-là. Oui, ben merci, c'est gentil. C'est moi qui ai galéré. Vous avez déjà essayé de porter un matelas gros comme ça, épais comme ça, qui n'a pas de poignée, qui a une hauteur de 2 mètres. Par contre, le matelas, je peux dire qu'il est bien, puisque toi, tu l'aimes bien. Oui. Et c'est pour ça que moi, je l'achète aussi. C'est un matelas mousse, mémoire de forme, ou quelque chose comme ça, comment ça s'appelle, c'est qui revient. C'est-à-dire, je me lève le matin, il y a un petit trou au milieu, mais le soir, le trou a disparu, c'est-à-dire le matelas représente. Et il y a toutes les tailles, hein, j'avais vu quand j'avais cherché pour moi, tailles. Il y a vraiment toutes les tailles, c'était pas mal. En largeur et en longueur, il y a différentes longueurs aussi. Et ça, par contre, c'est bien aussi. Ça, c'est essentiel pour la vie en camping-car, parce que si vous n'avez pas ça, si vous vous arrêtez quelque part sur un aire de camping-car ou sur un camping, si vous n'avez pas cet adaptateur, ben, il n'y aura pas d'électricité pour vous, vous ne pouvez pas vous brancher. Et ça aussi, j'ai fait... Ça paraît anodin, mais Bon, avoir la lumière, c'est sympa. Oh, la lumière ou toute autre chose, voilà. Bon, ben, je crois qu'on a tout dit. On continue l'aventure, hein, tous ensemble. Ouais. Moi, je vous dis, vivez votre vie, vivez votre aventure, il n'y en a qu'une. Bisous. Bisous mes chéris. Et puis n'oubliez pas, vivez votre vie comme vous le souhaitez. Bisous, à bientôt. Bye bye.